agriculture, dossier construction canal sur la rivière Massacre. Les paysans de Wanamette pourront-ils arriver jusqu'au bout? Et dossier canal sur rivière Massacre là, Wanamette. Oui. Nous même ici à nos matin débat, nous pas négocier. Et position nous claire sur ça. De saisir tandis que président Luis Abinader sanctionne Lukodezi parce que tandis m'a financé canal mais son bel bagage. Que m'a financé un projet qui a rapport à pays. Et moi dis merci en pile à président Luis Abinader. Bal cloche, mais bal cloche. Ah oui, bon gars, parce que madame, monsieur, n'était-ce la arrogance et également le comportement émotionnel du président Luis Abinader que la paye très cher. Que la paye très cher. Ah, je dis à l'âme, parce qu'il y a solidarité ça, oui, entre les Haïtiens pour nous réaliser, en fait, un canal qui est capable de manger à pays. Merci en pile au président Luis Abinader. Vous n'avez pas besoin de fatigue, petite sanction, Kembelbou. Ok? Parce que moi-même, moi là, le gros désir, moi c'est haïtien, je vis en Haïti, je mourir haïtien. Et je clair sur ça. Et je ne vais pas gagner en République Dominicaine. Je ne vais pas gagner en République Dominicaine. Je ne vais pas gagner en business, je ne vais pas gagner en gasoline, je ne vais pas gagner en machine, je ne vais pas gagner en femme, je ne vais pas gagner en la carrière, chef là. L'aime quand en République Dominicaine, c'est l'argent beauté. Et l'argent beauté, oui. Ah oui. Oui. Ah oui. La main de la carrière, c'est l'argent beauté. Ah. Vous mettez sous sanction, vous quittez mes lèvres. Pour qui ça encore? Parce que justement, ok, parce que justement, je tiens à défendre la cause haïtienne. Vous comprenez ça, Malouan Amet? Je ne veux pas prendre la tête de politique. Mais nous, maintenant, l'émission Matin Débat, nous allons réaliser l'émission Matin Débat en direct depuis Wanamette. Correct. Nous allons réaliser une émission Matin Débat en direct de Wanamette. Et nous allons permettre que tout le monde. Okay. Participer. Prenez la parole, participer. Ouais. Et puis, pour nous dire, Kembe là par la guerre. Parce que Jotia, c'est cause haïtienne que nous avons défendu. Et moi-même, le désir, où tu vas faire sauver, depuis c'est Haïti. Ok? Moi là. En tout cas, son fierté pour moi que Dominicani mettez sous sanction parce que je défends le pays. Ouais. Tu vas dire oui. Attendez. Ou va dire merci. Ah, merci. Merci, oui. C'est service secret qui fait prendre décision. Hein? Il y a suivi longtemps. Non. Non. Non, mon cher. Non, mon cher. Il y a suivi vous. Non, mon cher. C'est deux haïtiens sous-sous. Soit dit là. Oh, regardez, monsieur. Moi, c'est deux haïtiens sous-sous, mon frère. Qui mettait nos sous-lices. Regardez, qui mettait nos sous-lices. Oui. Et puis, qui a rapport avec le journal dominicain. Deux sous-sous, oui. Oui. Ok. Haïtiens contre haïtiens. Deux haïtiens sous-sous, moi, dis-vous. Oui. Oui. Je dis pas qu'il est nommé dans la caille. Il y a un complot avec les politiciens ici. Ok. Ok. Et puis qui mettait non logo des yeux dans la sanction, liste sanction de la République Dominicaine. En tout cas, monsieur, monsieur, je connais nous. Mais c'est grave, c'est l'air. Mais ça coûte un chèque, oui. Regardez, monsieur. Ah, moi, je. Monsieur, ton l'air Dominicani pas shooter bout à nous. Ok. Pour mettre nous dehors, la caille. Bonne sous-sous. Je connais nous, monsieur, je connais nous. Malheureusement, ici, il y a une radio qui a banbalé. Malheureusement. Ok? Des apatrides. Et c'est un mec tout le temps maintenant à tout, qui travaille maintenant à tout. Ok? Contre Haïti, pour la République Dominicaine. Des agents que vous voyez. Claire. Haïtien. Et puis, c'est ouais, pour figurer avec ça, vous-même. Avec ça, assemblée. En tout cas, moi-même, je dis ça déjà. Haïti, c'est pays PAM. Haïti, c'est pays nous tous. Et c'est nous-mêmes qui pouvons gommer pour lui. Ok? Luis Abinader mette sous sanction parce que justement, je travaille pour le pays. Parce que je suis en position pour le pays. Et je suis fier de ça. Ah, mais c'est clair. Je suis fier de ça. Ok? Et pasteur Will Nekayo qui est en ligne. nous avons pasteur Will Nekayo qui est un citoyen qui travaille dans le domaine
évangélique là. OK. Et qui t'a voulu placer mon palier par rapport avec construction canal là. OK, parfait. Et puis crise haïtiano dominicaine. Et puis ensuite on va aller parler avec correspondant nous sur place. Donc dans parce que ça qu'a fait là moi même pas connait si Franz LB comme conséquence. OK. Et Franz LB comme directeur général de la police, faut qu'il pas quitter ou manipuler. Comment aujourd'hui a peuple haïtien prend décision, il campe sous position. Et puis pour la police, il faut aller gaz. Donc si je dis à Dominicain, pas respecter nous, c'est nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui fait que Dominicain ne va pas respecter nous. La police a l'air d'appuyer. Non, attendez, mais je ne sais pas comment Franz LB fait pour une décision comme ça. La police a l'air d'appuyer. Alors, et ça, mon diable, dit. Alors, pour une décision ça, qui a la question de gaz là, et je pense que. Gon approche peut-être que moun qui pas connait gérer foule cool. Pas connait parce que il n'est pas gè des façons ou pas capable en tant que force publique quitter bah la dépasser ou pas capable parce que d'abord faut rentrer dans information qui vient sous canal là cool. sous frontière là cool. Abinadel ouvert frontière là pote bourré a fait maintenant gè des moun selon information nous qui pas voulu porter bourré ça pour produit dominicain pas envahi pays. Non mais écoutez. Esaïe César Momdouma, pasteur Fontit dans Dobiti. Moi je m'en clair sur question. Jodia, la presse internationale a posé question. Oui. Sous ce qui a passé en République dominicaine. Savoir. Fontit fermé, manger ou pas capable de vendre en Haïti. En Haïti. Maintenant, ça dominicain fait, il fouille tout. Yo jeté mon chauve matin là tout. Eh gen misère. En République Dominicaine, madame monsieur. Oui. Nous avons dit que manger que la voye venir en Haïti yo. Écoutez, ça cap pourri. Ça cap dîner la presse là. OK, ça cap dîner là yo tout. Donc, il pratiquement paraît ton vérité que yo t'a empoisonné. OK, yo t'a paraît empoisonné. Oui. Maintenant si peuple haïtien lui-même. La ville lui ou la ville en danger. Lui dit que a fait frontière ça, il y a même fait, mais il a besoin de la Dominicanie. Eh bien, mon frère, c'est la voix du peuple qui compte. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ok? On allait. Pasteur, comment nous est-ce? Eh bien, nous très bien, nous avons Dieu. Donc, nous saluons nous pour le bon travail que nous avons fait. Puis nous saluons tous les techniciens et tous les auditeurs qui avec nous, qui ont gardé l'émission, qui nous dit de pas ici. On nous campé en grand monde. Très bien, donc où t'es un mot pour placer sur ce canal là? Oui, nous croyons que la question canal là est très importante, donc faut nous continuer la mobilisation hein, pour nous finir la construction canal là, quoi qu'il advienne. Et que, mais faut nous comprendre l'appareil là au-delà du canal. Parce que l'on finit le canal là, Mden, et qui ça qui a payé venir après. Donc, il est important pour que nous poursuivions l'effort, oui, pour terminer le canal là, mais pour nous capables de fournir des équipements agricoles essentiels okay. Pour développer l'agriculture dans Wana maintenant, parce que c'est une région qui a un potentiel agricole énorme. Extraordinaire. Et ils nous campaient avec nous, Mais c'est pas. Faut vision pas arrêter dans un petit canal. Faut vision arrêter en nous développer la vie dans Wana. Parce que si il y a la vie dans Wana, nous n'avons pas besoin d'aller prendre humiliation et honte en République dominicaine. Et au-delà de cela, il faut que nous soyons capables de ne pas entrer dans l'autre paradigme. Prendre comme si nous devions prendre monde la caille. Comme si nous devions sur l'autre population qui est la population. Il faut que nous devions prendre monde la caille. Regardez qui est qui derrière dans Delma 75, dans Yon l'église Rendez-vous. Côté que bandits armés pendant un service d'adoration, les gens ont kidnappé un peu de monde. Donc, c'est une douleur, c'est une tristesse énorme que nous partageons. Mais jusqu'ici, on a quitté les bandits à cravate, qui a utilisé les bandits à sa patio, kidnappé rêve et l'histoire. Donc, jusqu'ici, on a quitté les Québécois dans la peur. Jusqu'ici, on a quitté. Puissance étrangère yo capé a utilisé oligarque politique malhonnête yo et a kembe nous dans situation ça donc ça fait que n'a dit
peuple haïtien, nous prenons liberté dans nos batailles. En 1804, nous proclamons l'indépendance. Nous. Mais pas oublier rapidement, puissance internationale, nous comprenons que nous ne sommes pas capables de mettre chaîne dans pied nous et chaîne dans main nous, mais nous jouons nos moyens pour kidnapper la souveraineté nous et nous quitter nous en bas contrôle. Comme ça, il y a toujours bon sous nous. Ils ont pillé sous sol nous, ils ont pris avantage en sous nous, ils ont planté l'argent sous dos nous. Et pour y faire ça, il faut nous comprendre bien, il faut qu'ils contrôlent l'élection dans le pays nous. Donc, pas oublier, en Haïti, les policiers qui veillent sur l'intégrité du bureau de vote, côté que les gens peuvent exprimer leur volonté. Donc, c'est important que les forces de police en Haïti en bas contrôle. Du sens étranger, nous sommes capables de toujours contrôler le résultat. Donc, comme ça, il y a toujours des présidents, sénateurs, députés, responsables dans tout secteur qui est important. Et comme ça, il y a des contrôles dans tout secteur qui est important dans le pays. Donc, comme ça, nous des politiciens, responsables économiques, nous des influenceurs dans le domaine journalistique. Ça travaille non pour le pays, mais pour les intérêts étrangers. Et c'est ça qui fait que depuis plus de 200 ans, donc, il y a kidnapping souveraineté, nous, avec publicité de apatride. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est en pauvreté. Et quand il y a la fanab du peuple, il y a le temps pour nous entrer dans une autre logique. Donc, moi, du peuple, c'est soulèvement général. C'est soulèvement général dans tout côté que lié. Parce qu'il n'y a aucune puissance étrangère qui ne peut porter aucune forme d'aide pour nous. Si on peut aider nous, il y a fait déjà. La situation nous a changé déjà. Ils ont eu trois occasions pour le faire et ils n'ont pas fait. Donc, à chaque fois que ils ont senti nous voulons camper, eh bien, ils ont décidé de stratégie pour nous mettre en barrière. Donc, les Haïtiens, c'est camper pour même lieu. Haïti, diaspora unie, nous même ça, il faut que nous voyons. Haïti, diaspora unie, sécurité, nous, c'est responsabilité, nous. Sécurité, nous, c'est responsabilité, nous. Donc, toute force, ça, ils passé en Haïti, de 1993 à 2019, nous avons MINUA, nous avons MANU, nous avons MITNU, nous avons MIPODU, nous avons MINUSPA, nous avons BINU, etc. Donc, toute force, ça, qui ça, ils stabilisé. C'est la misère que ont stabilisé. Donc, c'est les sécurités que ont stabilisé. Et c'est pour cette fois que nous avons dit à ce peuple-là. Donc, ça nous a tenu notre logique pour y en a. C'est pas garder qui ça blanc va faire pour nous, qui ça que États-Unis, Canada, décision politique. Si nous, nous campons en grand monde, la caille, c'est 4 millions d'Haïtiens qui décident de camper en grand monde, nous qui changer de donne. Pas des gens en Afrique campé, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. En 1960, pas oublier que les Émirats Arabes Unis, territoire qui est considéré comme l'une des régions les plus pauvres de la planète. Donc, il y a des gens qui décident de mettre tête ensemble pour prendre contrôle à Zéryo. Parce qu'il y a la crise qui s'abaille, Dubaï. Donc, nous-mêmes, si nous voulons, et ça, c'est le marque, que nous avons trois ressources en diaspora, nous avons trois ressources en tout, dans différents coins. Si nous entraînons logique Haïti diaspora unie, nous 4 millions à l'extérieur, on ne se parle seulement 1 million d'Haïtiens qui dit, il y a 100 dollars, ça fait 100 millions de dollars, nous avons assuré la sécurité. Nous. Donc, pour pas quel domaine, nous avons contrôlé, nous pas oublier qui finance comment, qui donne, ordonne. Donc, si nous. Si nous avons décidé que c'est nous-mêmes qui avons contrôlé des idées, nous avons financé l'activité nous-mêmes. Et c'est ça m'a volé comme message là. Nous avons des compétences, nous avons l'argent dans le temps. Nous ne sommes pas contents de nous donner un petit canal. En nous plutôt canaliser l'effort pour nous construire le pays. Nous. Deux éléments importants. Soulèvement général et pour contrôle gouvernement. Mais ça plus. Et contrôle gouvernement. Merci un peu, pasteur. Ok. Bon, nous allons parler avec le correspondant nous, donc, depuis Wanamet, et Guillaume Will Woodlin. Guillaume Woodlin, donc que nous allons parler avec lui. Pour nous connaître, comment Wanamet levé jeudi, et puis qui ça, et qui finit par fait, en fait, parce que quand même, hier, ça a été. Hier, le sénateur Wannick Pierre, avec un paquet d'autres monde, Woodline Pierre, et il était débarqué, et sous frontière, il avait maintenant tout sous pont, avec un camion, un camion bloc, et puis ciment, puis il était monté en muraille, okay, pour fermer frontière net. Et c'est là que la police venait libérer gaz, donc moun prend gaz, donc je vais vous donner comment la situation est actuellement là, donc madame, monsieur, on va la mettre. Mais je vais rappeler nous que, madame, monsieur, moi-même, j'ai invité chaque Haïtien.
comme pas gain route mon cabrit pratiquement coupé là dans moment on parler là si tu gain route pour te monter à loin même pour aller garder. OK, ça y est, solidarité haïtienne. Et ça pas arrivé souvent dans pays là. Solidarité ça arrive qui le c'est là que nous besoin de ton gouvernement. C'est là que gon bagaille tant qu'on tremblement de terre passé, il faut marche pour lui. OK? Mais c'est quelque fois où est que haïtien met tête ensemble et puis il dit que mes côtés ou braler. Mais je dis à madame monsieur, dans question agriculture, c'est pas seulement rivière massacre qui gagne. Je dis à penser que mon nord-ouest ta doué yo même prendre initiative pour faire en solidarité pour yo capable faire plusieurs canaux, plusieurs prises sous trois rivières permettre dans toute la caou. Parce que mon nord doit stadouer, je dis, à prendre initiative ça. Parce que les trois rivières, là, depuis presque 300 ans, pas jamais gagné, donc on prise qui fait sous lui. Pendant ce temps, il y a un paquet de terre, ok, qui a cultivé, qui est cultivable, donc dans notre pays. Et puis, mon nord a souffert de manger. On prend Jean Bel, par exemple. Mm-hmm. Jean Bel, qui est les bombardes de police le matin. Écoutez, le go, où est le canal de ça? Work on the west. Mm-hmm. Et puis là. OK. Mais ça passe. Système yo fait refait pas jamais une continuité. Ah ben voilà, mais que solide que ce que nous font solidarité yo dia là. OK. Pour ça que t'es fait déjà yo pour nous continuer avec yo. Alors, gon commune le on connaît tout. Mm-hmm. Je toujours décrit ces communes qui ont plus misère. Oui. Dans le nord-ouest. Oui. Quelle commune est BDN? BDN, oui. Mais c'est méchanceté. Méchanceté. Parce que BDN a un système d'immigration. C'est vrai. Que bon bat baguette. Que bon bat baguette. BDN, c'est ça le côté avec le système d'immigration. Mm-hmm. Commune bombade avec commune et en souge mm-hmm. avant BDN. C'est bien. Il est responsable tous les deux. Elle dit que c'est. Ah, qu'elle font paquet de temps. C'est volonté pas gagner. Ah, qu'elle font paquet de temps. Mm-hmm. Le récit font bagaille, pas j'aime finmordé. Toujours gon problème. Son crime, oui, bagaille ça y est. Parce que justement, vous sentez que gon. Le mal le système, là, nous, yeah. L'aime récit à le visiter. Mm-hmm. Mette maintenant bouche. Oui. Oh. Bon, ben matin, nous avons responsabilité dans le pays. Et parce que nous, maintenant, matin, débat. Nous allons nous faire tête nous responsabilité de ça. Mais cependant, avec les citoyens pays, les gens qui vivent dans le pays, également citoyens qui sont dans la diaspora. Nous avons bouqué le gouvernement, nous avons bouqué le l'État. Et nous-mêmes, dans le débat, nous allons faire tête nous responsabilité de ça. Ok? Donc, nous allons penser que pour un amant, nous promettons que nous allons monter avec la montée très très bientôt. Nous allons faire une émission en direct donc depuis Wanamet et nous allons permettre que tout le monde qui fait partie du comité a intervenu, fait le monde qui vient yo intervenu pour nous connaître exactement donc ce qui a passé Wanamet. Il y a Léonard qui besoin bagage sous canal là. Mais avant Léonard, nous joignons correspondant Woodlin qui c'est correspondant nous et Wanamet. Hein? Woodlin qui met en aller. Woodley, comment nous est? Woodley, comment nous est? Oui, Woodley, comment nous est? Bonsoir, Louko de Ville, bonsoir, Haïti, bonsoir, le monde entier qui branche l'émission. Ça. Ok. Jodi à la. Ok. Jodi à la. Ok. Ça qui passe, on a mis hier. Ça qui est passé. Alors, qui est ça qui domine l'actualité hier, dimanche là, au niveau commune, on a mis? Nous voilà situé, nous d'abord, sur la frontière. Et Wanamet qui est lié dans la bonne République Dominicaine. Mm-hmm. Et que tu as gagné plusieurs membres de civils là, par exemple, ancien sénateur Nord-Fla, Wanik Pierre, tu as gagné Madame Widin Pierre qui fait office porte-parole au comité gestion canal irrigation sous via massacre là avec le président comité à Pasteur Moïse Joseph. C'est là seulement comme monde qui t'est débarqué. Et sous frontière haïtiano-dominicaine, en après-midi, il était environ 2 heures, ils ont débarqué avec un camion chargé bloc, un camion
côté yo même yo fait connait que c'est pour yo être capable monter un mirail en bloc sous pont et qui relie d'abord c'est pour capable tester contre décision président dominicain Luis Abinader pour l'elle te fermer frontière li sans li pas bail aucun détail et ni au niveau diplomatique en impact dit et ben je dis à la même pour yo bail la République dominicaine en réponse yo te fait tentative pour te monter mirail pour qui ça c'est le fait que président dominicain vendredi qui s'est passé là il était trouvé dans la province d'Abon il était venu visiter un travail qui a fait ça nous relie une déviation et qui a fait sous territoire là étape dévié de l'eau rivière massacre là et ben il était venu visiter travail là mais pendant visite là tout ils font déclaration pour te dire que lui-même la ouvert frontière il gagne avec avec Haïti mais c'est seulement pour haïtien venir acheter produit la caille à la décoser papa ça a fonctionné mais quant à immigration on a parlé de au niveau diplomatique tout bagage a toujours été fermé seulement marché a cap ouvert de façon pour faire comme à l'acheter la caille parce qu'on connaît yo grand pile produit la caille qui en décomposition et mais je dis là et nous connaissons haïtiens qui en grande majorité et qui toujours acheté dans mais et mais je dis là le fait que président dominicain ferme frontière et ben produit ça même yo en décomposition il a gâté l'autre bois et ben une fois haïtien au même temps des président dominicain a annoncé frontière d'ouvert lundi 9 et octobre et ben yo même yo dit depuis dimanche hier et ben yo même il a monté un mirail pour empêcher aucun haïtien capable de traverser pour aller acheter dans le pays Panyol. Et faut que nous disions, foule là, c'est immense. Et mais c'est gaz lacrymogène, la police nationale d'Haïti a lancé, de parler des agents pour les fautes eux-mêmes, qui étaient dans ce gaz lacrymogène pour disperser foule là, pour évacuer les gens sous pont. Parce que la police, claire, dit que en face, là, devant là, ils n'ont pas accepté de monter mirail. Ils ont fermé les frontières, fermé les barrières, mais question pour monter mirail là, ils n'ont pas accepté ça. Et mais c'est de penser à la situation qui est en train de parler qui te souffle hier après-midi sous frontière Waname qui est d'abord. Bon, maintenant, là, il est clair que mounio, en fait, population dans Waname, également zone environnante, ils ont campé sous position, ils n'ont pas passé pour du dominicain. Non, il n'y a pas la question afin de acheter pour du dominicain. On regarde vendredi, marché frontalier que nous avons sous territoire noir, qui a. Jusqu'à 5 ans, depuis le fini, les pages inaugurées et tout, ou vendredi, le marché a censé ouvert de manière officielle, toujours c'est pour capable de protester contre la rue de Cannes. Il faut dire qu'il y a une réponse aujourd'hui, là, parce que il y a même marché par la rue de Cannes, pas de le marché noir et fonctionnel. Et bien, vendredi, le marché a censé ouvert. Il y a une machine qui a commencé à aller produire ce marché. Ok, mais des produits haïtiens? Oui, avec des produits haïtiens. Très bien, ok. Banon ti idée de canal là. Louko, avant Wilby? Woodley, qui autorité qui accompagne Mounio pour te ouvrir marché là? Parce que marché là c'est sous gouvernement haïtien. Laissez yo pour te ouvrir alors que yo fait 5 ans ou pas de nouvelles. Mais qui autorité Wanamet qui accompagne Mounio? Voilà, belle question. Alors, faut que nous disons, c'est Union européenne comme bailleur de fonds, gouvernement haïtien. En général, on peut dire qu'il est forcé autorité locale ouvert frontière. Parce qu'il faut rencontrer avant, nous avons le départemental, le ministère commercial qui est là, la mairie est là, et la police est là, nous avons le délégué départemental là, est là, et comme autorité au niveau départemental de cela, qui est même dirigeant de rencontre. En urgence, parce que nous apprenons qu'il y a une pression sur vous, capable de dégager le couvert pour faire marcher ouvert pour être capable de toujours bailler la République de réponse. Parce qu'ils estiment que, je veux dire, son faiblesse, le fait que marché est fini depuis longtemps, combien d'années, ça va jamais capable opérationnel. Et mais ils disent que c'est une occasion en or qu'ils rejoignent de côté la République dominicaine pour le même marché par là, tout lancer une fois. Et mais c'est ça. Ok. Bon, notre idée de canal là, à qui niveau lié? Et est-ce que l'est presque fini? Comment écrété, en fait, en termes de pourcentage? Bon, nous connaissons de ce canal-là qui fait tout Iboïsaïo au niveau de la République dominicaine, des accords qui entre deux pays. Mais il faut que nous clair que je dis à la, je bois les doigts au bien avec vous. À qui niveau canal-là? Ok, je dis à la, depuis la semaine dernière, tu as gagné
te gagner travail dans quatre canaux là, même pas le travail dans canal là, côté pour capter de l'eau même pour mettre l'eau lui-même lui couler dans canal là pour arroser toute plaine bamari baou qui environ 5000 hectares de terre qui capable pour du manger. Et mais c'est là qu'on y a là travail là le même fait camper ça gagne une semaine et demi comme ça. Raison d'après madame Woodin Pierre qui se porte parole comité ça, c'est le fait qu'ils ont enregistré des failles techniques à travers la pablier. Okay. C'est un travail, c'était un groupe social, c'était pas une initiative là d'abord. C'était un mouvement populaire. Très bien. Quand y a là, après, ils commencent à recevoir aide bon côté citoyen dans le pays et même au niveau de la diaspora. Et bien, ils disent qu'on ne va pas faire n'importe qui, il faut que nos techniques soient respectées. Et mettez un groupe d'ingénieurs, ils ont 20 d'ingénieurs comme ça qui étaient offrés tête à travers là pour l'expertise. Et bien, ils disent qu'il faut 1, 2, 3, 4 fois travailler là, les mêmes, les respecter, les normes. Et bien, okay. Je dis à là, ils ont dit qu'on s'en faut travailler la campée. Ingénieur du travail à la campagne, puis corriger les failles qui sont enregistrées. C'est ça qui permettait de travailler à lui-même. Le campagne dans tout le canal là, même si on a le travail à la campagne, il y a un canal là. Dit que, pendant qu'on a parlé à la canal à la campagne, construction à la campagne. Non, on va préciser vous. Tout le canal là, côté travail à la campagne, commencer. Côté où on va capter, côté où on va marrer de l'eau. C'est la traverse à lui-même, campagne parce qu'il était enregistré des failles techniques. Mais toute ligne canal là, pour aller juste en bannette. Il commence à bagarre parce que les presque finances du Gondiala. C'est un coffrage qui est fait à dalle, c'est un croupissage, un grandissage, tout ça, c'est presque fini. C'est qu'on y a la semaine là, il a annoncé qu'il va reprendre le travail encore dans cette canal là, pour mettre que je dis à la, qui sera fait dans cette canal là, c'est que il y a une pelle excavatrice qui est disponible matin, midi, soir qui est là, pour capable de dévier droit de manière provisoire. On a parlé de travail, nous on a fait, oui. Il y en a dévié de manière provisoire parce que, écoute, dans notre canal là, puisque nous connaissons, ça gagne presque une semaine rivière en cru. La plupart sont tombés sous tête comme une Ouanamètre, rivière en cru. Et même Ramblé au TBT, pour être capable de dévier de manière provisoire, et mais rivière est venue avec un pile de Ramblé, c'est là. Avec des choses, il y a plusieurs pelles excavatrices pour faire travail là. En plus de marches qu'ils ont fait, et. Propriétaire d'abord, il y a une grosse inquiétude, nous dit on doit se rendre au père vos matériels pour éviter de pas endommager. Mais c'est ça qu'on est la seule pelle excavatrice qui a travaillé dans le niveau canal là. Je dis là, c'est il y a deux jets de demander provisoire pour faire sécher. Après, tout bloqué devant ce canal là parce qu'il va faire, il va mettre des gabions, il va couler le béton là-dedans parce qu'il va faire les rivières en pleine couille. Okay. La rivière pleine couille, ça permet que le travail ça sent ralenti. Le travail ça sent ralenti, mais c'est pas campé complètement. Ok. Bon, est-ce que. Bon, à ce qu'il paraît, tu as dit que. En fait, le comité a souhaité inaugurer le canal là le 18 novembre. Vous pensez que la date a respecté pour... Non, alors, c'était un moment, c'est que c'est pas tant là. Maurice qui t'a fait une déclaration et que plusieurs personnes dans la population et maintenant le comité a tout fait quoi. C'était une chute en avant. Il était plus que le pasteur Maurice dit qu'il a souhaité, si tu avais la fin, tu as souhaité qu'il inaugure. Mais ce n'est pas une date officielle pour l'inauguration du canal parce que entre nous-mêmes, le canal n'a pas fini. D'après ça, l'ingénieur dit nous que son travail a pris le temps. C'est pas le cas pour un pile temps et pas oublier tout. Au cas fin capter de l'eau, au cas fin capter de l'eau, et quand il y a capté, il y a le point dans la rivière, dans la rivière Massacre là, il y a le déverser le sou au côté où il est, dans trois pleins. C'est dans trois pleins, c'est là qu'on va dire, il y a le réserver de l'eau. Les rivières en pleine couille, par exemple, il y a dit bonjour, il y a là, nous avons plus de l'eau déjà dans plein, non, nous avons besoin de l'eau, dans les années après, de l'eau, je dis en plein, non. C'est pour montrer que je veux dire la traversée, on travaille qu'à faire plus le temps et pour le finir. Mande Wilbert. Oui. Gen ingénieur responsable là, moi te wel tape un paquet explication technique. Alors ça vient joindre équipe là. Ingénieur vient joindre équipe là semble qui gagne plus expérience technique. Ou ka prend micro matin débat pour est-ce ou ka rencontrer monsieur demain si Dieu veut. Bon, je suis honnête avec vous, moi comme journaliste dans la zone, je ne sais pas quoi qu'il y a un ingénieur, pas un ingénieur en chef, non? Pas un ingénieur en chef, non? Si vous attendez soit qu'il y a un café fuite en avant, soit qu'il y a besoin de paraître tête et tout,
mais pas gagner un ingénieur en chef. C'est une vingtaine, d'ingénieurs qui méritent d'être ensemble. Pour dire mais comment vous avez la fête. Ok, bon, pose une question. Oui, oui. Selon vous-même, en fait, et selon avis, par selon son ouais. Combien de temps vous pensez que le Canada a pris ça? Selon vous-même. Vraiment clair avec vous, c'est vous qui un jeu technique. Non, moi je selon vous-même. C'est vous qui avez un jeu technique. Non, d'accord. Eh bien, demain, si je vais rencontrer Damna, ingénieur Damna, et puis, et matin, je vais recevoir. Bonne impression, pas vous. Selon vous-même. Non. Moi-même, ça m'a dit. À mon avis, je dis peut-être que dans le mois de décembre, peut-être. Dans le mois de décembre, ça va finir. Donc c'est comme ça qu'il a fini en janvier, en février d'où? Oui, ça va arriver pour moi-même. Ça va finir. Ça va être canal là, mais c'est pas vous, à vous de vous dire, on est disponible, les distribuer dans tout plein. Non, c'est pas la mouille mieux, non, moi-même. Non, ça va être peut-être canal là, moi-même. C'est la vie, oui. Ok. Ok, mais ça, Bill. Mais ça, Bill, Loukou. D'accord, au fond. Bon, c'était nous, ça a pas nos impressions. Nos yeux. Ah oui, ça a pas nos impressions justement. Ouais, ouais, ouais. Et de comment. Moi-même, pour que ça me pose la question, ça y est. Actuellement, Haïti là, sous chapitre 7, Haïti n'est pas pays. Donc, c'est le monde qui a décidé pour vous. Depuis pays, sous chapitre 7, ou pas pays. Ou perdu souveraineté. Depuis que force étrangère qui a venu piler sur nous. Ou pas mettre tout encore. Donc moi mon père pour canal là pas gain temps fini et puis pour tout Kenya nous venu et puis qu'on y a le camper canal là donc elle travaille pour Abinader. Non voilà mettre bien entendu. Ou qui Abinader très intéressé à question Kenya. Qu'on a pour tout pour même pour pas le camper canal là. Donc ou gain temps senti oui mais ça cap développer au Kenya et ouais même population qui n'est pas d'accord que pour soldats et soldats qui ont même tué un même haïtien. Correct. Non, mais laisse ça, il va jouer une population face. Oui. Ah oui. Laisse ça, il va jouer une population face. Ah. Bon, en tout cas, son dossier n'a pas suivi ici, donc à l'émission, on a débat. Moun Nord-Ouest, comme on dit maintenant dans tout, donc parce que là, nous avons responsabilité, Moun Nord-Ouest commence à mobiliser. Parce que justement, prise qui sous trois rivières, yo. Ça t'est commencé à faire, faut que fini. Depuis Bassin Bleu. Oui. Donc il faut que fini. Ok? Et BDN. Oui, BDN, c'est. Prise qui fait c'est, là. C'est sous-lié, c'est de l'eau. Correct. De l'eau là. Donc il faut qu'il fini. Oui. Et nous allons prendre un bateau pèlerin, nous. Que? Ok. Combien d'années qu'on a assuré que ça fait très bien l'autre bois? Vous voyez combien d'années qu'on fait? Son pile temps qu'on fait l'autre bois. Et il va gagner réglé. Qu'est-ce qu'on vit, pas. Donc c'est normal pour quitter des zones comme ça, pour paraître que c'est une zone qui aride, une zone qui toujours est sécheresse, une zone qui est pauvreté, et puis pour ONG qu'on y a fait projet à bouillon. Ben jouer responsable. Jouer en mon responsable pays ça. Ou qu'on est son gros responsabilité au gain. Chercher qu'on est faire les ministères. Agriculture. Non. Environnement. Planification. Correct. Vous dites combien ONG qui gagne sous dans pays ça. Combien ONG, combien l'argent qui vient là pour pays d'Haïti qui pas jamais servi pays d'Haïti à rien. Bon, en tout cas. Moun Nord-Ouest, OK? Alors que Tido qui est en point initiative. Oui. Et j'espère que Tido a kembe même communauté ça. OK? Pour nous faire solidarité pour nous regarder prise qui sous trois rivières dans Nord-Ouest madame monsieur. Et j'espère tout que moun wala monsieur. Yo marché pressé pour canal ça ka fini. OK? Et moun ka porter solidarité pour Wanamet. Donc pas hésiter porter, continuer porter parce que yo besoin au moment là excavatrice. OK? Moun qui capable aider moun Nord-Est qui capable aider Wanamet dans question canal ça pour finir le plus vite possible. Donc nous met profiter de ça. OK? Donc dans Nord-Ouest nous déjà clair sous lui, nous pouvons parler avec et Tido également comité qui est déjà sous pied hein. Prise qui sous toi hier nous pouvons regarder bien maintenant tout. Donc comment nous même nous capons responsabilité pour nous faire mobilisation avec des monde qui connaît
pour nous capable permettre que le travail qui commence pour être fini. OK, donc pour moun nan nord est capable gagne de l'eau, puis capable de faire manger. On aller et quand nous bonsoir. Baissez le volume radio là gabo. OK. Bonsoir à tout staff matin débat. Bonsoir et félicitations tout le monde Wanamet. Nous croyons que jodi a son belle occasion qui offrit à peuple haïtien hein, pour que yo uni yo pour que yo fait solidarité envers mon Wanamet. Gen on bagay louko li soti talè a. Wanamet oui, mais est-ce que li pata intéressant pour nous examiner dans l'autre département yo côté qui gagne grande rivière yo. Très bien. Jodi a peuple haïtien hein, nous gagne deux goelmi. Elmi numéro 1 c'est Ariel Henry, deuxième nan c'est Abinader. Et deux moun sa yo, c'est deux moun qui raillent Haïti à l'extrême. Jodi a peuple haïtien doit connaître Abinader pas président pays d'Haïti. Nous tous nous gagne pour devoir organiser nous gens camarades tout parler taléa pour que nous préparer un soulèvement. J'en toujours dit si pas gagne un soulèvement qui retire équipe PHTK criminel méchant ça qui dans tête pouvoir non tite encore nous pas pays. Peuple haïtien, je dis à nous dans l'obligation pour que nous mettions nous ensemble. Non seulement pour que nous portions coller à ce qui a passé ou à la mettre là, mais pour que nous portions coller pour que nous retirions Haïti dans sa déjotia. Nous croyons qu'il y a une pile organisation qui a mobilisé le 7 octobre pour que nous foulions béton. Félicitations, organisation Sayo. Et je dis, moi pense que nous tous, en nous concerté, nous croyons son seul discours que nous gagnons, Elmi numéro 1, c'est Ariel. Pi gros kidnapper, pi gros criminel là, li rele Ariel. Si je dis, gagnez blanc, gagnez en pile l'autre pays qui a voyé militaire, vin aider nous avec kidnapper, je dis, faut que nous pas négliger Ariel, c'est numéro 1. Et si yon pas vini pour aider nous débarrasser pays avec Ariel, yon pas besoin vini. Donc nous croyons que jodi a comme nous tous nous remarquons, population kenyan jodi a dit non et peuple haïtien avec kenyan c'est des peuples qui semblaient. Donc jodi a c'est pas kenyan qui a pour venir en Haïti probablement yo tout le connaît ça l'armée kenyan a fait c'est ça qui était fait dans plein d'autres pays lorsque États-Unis besoin exploiter mine exploiter l'or yo te qu'on utiliser l'armée ça pour yo te voyer. Je dis, nous croyons que les haïtiens, pour nous, blancs canadiens, blancs la France, blancs États-Unis, ils ne parlent pas nous. Donc, lorsque vous voyez M. Sayo venir, vous voyez pour que vous exploitez, examinez le côté qui est mine, côté qui est ressource. Par exemple, les gens qui ont fait, nous voyons qui ça a fait. C'est parce que vous avez examiné, mon hôpital, gagner ressource, gagner mine, mon hôpital. Donc, je dis, nous croyons que lorsque tout étranger ça vient en Haïti, blanc américain a une possibilité pour que vous cherchiez tout côté de nos ressources. Peuple haïtien, en nous organiser nous pour nous préparer le soulèvement. Tout le monde qui a planifié, qui a préparé le 17 octobre, en nous préparer, en nous tous, nous mettez nous ensemble. Pour que nous disions Ariel pas carité dans tes pouvoirs. Et Louko, bon, gagnons bagay que nous avons préparé tant, monsieur Damariel. Qui monde qui va signer l'autre accord? Qui criminel? Qui volait? Qui va signer un accord encore avec Ariel? Lorsque nous arrivons au commencement 2024 là, est-ce que il y a un monde qui va s'enrodasser? Les dit va signer un accord pour Ariel faire un jour ou bien un mois en plus. Donc, vous pensez, nous tous, ni moi-même, Louko, et député Tatout, et tout haïtien en général, n'a préparé nous pour que nous voyons qui est criminel, qui est monde qui va le préparer à quoi avec Ariel. Donc, mandat Ariel. Comme Ariel n'a pas de mandat, Ariel n'a pas de mandat, mais nous avons surveillé les criminels,
n'a suivi ancien député sénateur malfaisant criminel yo qui pral signer accord avec Ariel encore pour qu'il rete dans le pouvoir. Merci tout. Merci.